Salut à tous, c'est 77 Cabalet, on se retrouve pour l'épisode 15 sur Assassin's Creed Unity. Et donc la fois dernière, on avait fait une mission principale où il y avait une montgolfière, enfin pour gérer la montgolfière, etc. C'était une bonne mission. Et donc voilà, je redémarre ici, je me suis rapproché un peu de la quête, et voilà, juste parce que j'ai trouvé ça. Ah d'accord, c'est un point de map. Peut-être ça pourrait intéresser des gens. Honnêtement, je ne savais pas du tout. Et donc, j'ai été vite fait à mon repère, mais j'ai essayé de me rappeler un peu ce que j'avais, ce que je devais faire, un peu tout, quoi, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'avais oublié. Et en faisant ça, les mecs se battent les couilles. Et en faisant ça, D'accord. J'ai découvert que j'avais dans mon repère, que je n'avais pas fait vraiment attention la fois d'avant, enfin toutes les fois d'avant d'ailleurs, depuis que je joue, j'avais jamais fait attention, que il y a des tenues un peu comme dans tous les anciens Assassin's Creed, que il y a aussi des rénovations de la maison, etc. qui sont pas mal, je dois dire, même si à ce niveau-là j'ai préféré tous les anciens sauf sauf le 4 qui était pareil, il y avait pas grand chose quoi, c'était voilà, tu rénoves des trucs, bon c'était un peu marrant quand même, tu rajoutais des trucs sur une île, t'avais ton île à toi, etc. C'est un peu marrant, là c'est un repère, voilà, tu rénoves la salle à manger, etc. C'est pas non plus l'éclat total, mais ça permet, c'est bien souligné quand même. Donc on va aller faire à la quête et on va lancer directement. Hop. Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le marquis siège à la convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis. Un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas... Je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh que non. Une livraison de vin pour le palais. On porte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur le pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Assassiner Le Pelletier. Continuer. 17 cachettes, 69 gardes, 14 entrées, 1 meurtre. Ok. Alors sinon, pour revenir vite fait à ce que je disais, donc... Le fait de pouvoir gérer une petite communauté, etc., c'est apparu surtout dans Assassin's Creed 2. Après, dans
Brotherhood, c'était plus la guilde. Dans Révélation, il y avait pas énormément de choses aussi. Dans le 3, alors là c'était le must avec la villa que tu pouvais gérer. Mais voilà, donc, et si après le 4 aussi il y avait l'île qui était pas trop mal. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait pas énormément de choses à... Ils sont plus concentrés sur le bateau quand même. Donc on va se camoufler. Donc comme j'ai dit, je ne ferai plus à 100% les choses. J'essaie de faire les opportunités par contre. Ça peut être bien, je doute que ça change quoi que ce soit à la suite de l'aventure, mais c'est toujours bon à souligner. On regarde un peu ce que nous avons ici. Là-bas nous avons deux portes, on a une clochette, une porte. On va aller par là. Donc c'est vrai que je pourrais aussi m'amuser à commenter l'histoire de France, etc. Mais bon, je vais être franc avec vous, je la connais pas forcément énormément, à part les grandes dates, etc. Les choses qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous apprend... voilà, qu'on nous apprend sauf si on fait l'histoire, machin. Je me suis arrêté ici, c'est vrai que... C'est-à-dire que c'est dommage. Bon, c'est tout, je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Je trouve pas les opportunités. Enfin, une opportunité d'infiltration et d'assassinat. C'est-à-dire que, si je comprends bien, d'un côté, il y en a une qui me permettra de rentrer dans le château. Dans le château, enfin, dans le Louvre, quoi. Et l'autre qui me permettra de tuer la personne si... Hop. D'accord. Donc ici il y avait deux choses. D'abord on a un coffre, ici on a un repère. Ici on a quelque chose. Non. Tu t'amuses à tous les colonnes, c'est ça. Tac. Oui, donc il y a tous les colonnes. D'accord, c'est parce qu'il y a un coffre. Sauf que moi, le coffre, je m'en bats les couilles, pour parler vulgairement. Tac. Et boum, bitch. Hop, tu m'as pas vu, coup dans la carotide. Ah, donc ça là-bas, ça doit être une des deux opportunités. Ça doit être certainement les trucs de vin. Je vais aller modifier comment on fait pour s'approprier. Voilà. Et hop, se mettre à couvert. Citoyen, qu'est-ce qu'il va vouloir me suivre? Qui c'est que mon repère? On va descendre ici, je vais descendre. Pas tout en bas non plus. On va faire un tour vite fait des horizons, voir si je trouve pas la deuxième route. Voilà, là, voilà. Il suffisait de demander. Hop, ça fait bien rien. Côté alors tu m'as fait tu meurs, c'est aussi logique que ça. Et on va aller se diriger vers des téléportunités. Parce que les ennemis dans le coin. Salut Thomas. Parlez à la demoiselle. Pardon, mademoiselle. Monsieur le pelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Qu'est-ce
que vous racontez? Monsieur déteste les pièces aérées. Je comprends. Bonne soirée. Donc, 4000 francs, mais je les garde, les 4000 francs, je suis une pote. Mais... À la rigueur, je vais... Il vaudrait mieux pour toi que ces carreaux brillent quand monsieur le pelletier arrivera. Comment veux-tu que je lui donne 4000 francs? C'est une somme, c'est une ordine, quoi. Je veux que monsieur le pelletier puisse se regarder dans cette ville quand tu auras terminé. Donc on va diriger vers la deuxième opportunité, donc la première épreuve à faire. Où vas-tu? Halte! Sois raisonnable. Envoyons-leur la garde royale, le problème sera réglé. À votre avis, comment faire les autres fichiers? O-K-L-L. Pardon? Vous avez lu le petit manifeste de Brunswick? S'il est fait la moindre violence à leur majesté le roi, la reine, je la famille royale, nous exercerons une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une exécution. Il y en a pour 50 livres! Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça chante, mais je n'en achèterai pas une goutte. Ça, ça pourrait être. Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. J'ai un mot à te dire et tu vas m'écouter. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour du chariot. Oh, fuck it. Alors là, je vais prendre cher de mon cul. Dégarpie! Tu n'as aucune issue, chien! Il va être par là et puis. Avec vous, les gars! Ne détache pas de nous. Oui. Oh, c'est chaud. Donc je vais du vin. Assassinat par poison disponible. Rester proche d'eux tant que je n'ai pas la situation. Il n'y a plus grand monde du coup. Je suis caché quand même. Tu es ici chez moi et tu n'as pas le droit de faire. Viens ici, oui, toi. Où tu vas? Échanger? Tu es encore fait dessus? C'est fou, ça va! Voilà déjà ça que les bourgeois n'auront pas. Hé! Qui a eu Jacques? Très curieux. Je vais faire un tour de table pour voir où se situe le lieu, parce que du coup, je vais examiner quoi. Où se situe? 55. D'accord. On va aller par là. Quelque chose se prépare. On va essayer de le faire. Qui s'en prend? Si on est une porte. Qui l'a tué? Qui a tué? Un incendie nous a jamais été. Je crois que c'est pas assez, mais on va voir. Ok, il l'a vu, ça me balise des connes. Oui, j'ai un pote qui est mort, ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Je veux quoi. Viens ici, Lastico! Je vais moudre tes os et en faire de la peau!
foudre. Tu essaies de faire le tire-à-bras sur mon territoire, c'est ça? Qu'est-ce que moi je vais faire pour rentrer? Il y a un peu trop de monde quand même. Tiens, l'ami. Tu pars maintenant, tu ne seras pas payé. Y as-tu pensé? Parfait, il y a un peu. Ici on a une autre fenêtre, mais est-ce qu'elle peut me permettre de rentrer? Oui, c'est bon. Alors, dragon à la nouvelle recette. Croyez-moi, l'Amérique se rangera à l'autre côté. Il me faudra une cachette. Vraiment? Comment en irait-il autrement? Nous rejetons le joug de la tyrannie. Ça peut me sauver la life. L'esprit avec ça, c'est plus courant. Il en est de ceux qui les cervelaient. D'accord, le mec est là-bas. J'ai cru un instant que j'ai cru un instant. Donc un croix qui se ferait qu'il vous prend les fils et mûrs. Garçon! Oui, monsieur? Une bouteille de votre meilleur vin. Ce soir, nous fêtons la mort de la tyrannie. Tout de suite, monsieur. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, please! Je vais juste mourir. C'est une grosse merde. Voilà. Le mec, il est arrivé derrière, il m'a fait un peu. Il m'a fait le cul. Ah, c'est une série. Heureux, on se retrouve pour cette 1000 et 1ème. Tentative qui j'espère va être la bonne parce que j'en ai plus cassé. Donc on va passer directement en haut. Dégager bande de ministres. Hop, on va pas chercher à aller je ne sais quoi, je ne sais où, je ne sais comment. Voilà. On va faire cette porte vu qu'elle est facile. Voilà. Ça c'est arrivé. Next. Dégage toi. Quel genre de méfait as-tu en tête? Je ne sais pas de quoi vous. Tac, on a fait la bouteille de vin. Depuis 30 ans, garçon. Un honnête homme. Je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 000. Citoyens, on ne bouge plus. Non, 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 monte, monte. J'ai bien envie de te clouer la langue à une roue de chariot et de te regarder courir. Dépêche-toi, s'il te plaît, merci. Ouais, ça va aller. Donc ici. Où je continue. Personne n'approche. Le petit allié de descendre, tu restes en haut. Ouais, ça va être. Assisterez-vous à l'exécution demain? Bien entendu, pas vous?
J'hésite encore à m'y rendre. La foule. La foule. Ne dites pas. Garçon. Arrête les citoyens. Putain, il y a plus que rien. Dégarpis. Je vais te briser les genoux. Par où je vais pouvoir rentrer pour aller chercher mon enquête. Alors là où il est, ça change totalement tous mes plans. Lui il est au calme, moi je suis en train de galérer comme un mongol, mais lui il est au calme. Alors lui... Là, si j'avais su que c'était aussi simple, je l'aurais fait directement, quoi. Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je fais, je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote ? L'exécution ! Les voix ont été comptées, grand maître. Alors ? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Eh bien, j'ai envie de dire alléluia. En fait, je crois que je vais faire comme ça maintenant. Je vais me faire voir. Et puis... Non, je vais me faire voir, Je vais me faire voir et je vais faire un marteau. Comme ça, ben, l'autre, il court comme un mongol. Ok, je crois que j'ai fait le gros con. Jusqu'au bout. On va rester quand même occupé pour éviter les balles de... Les balles de... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Ils sont là. Ils sont là. Alléluia, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les mêmes et du rabbin, plus jamais ceci. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. Je n'en ai jamais douté. J'avoue...